d'ici quelques minutes, on va jongler entre la piste et le podium. Le podium, on va retrouver Vincent Frantzen pour les différentes catégories du BGDC qui s'est terminé il y a quelques instants. Et on sait que la liste des catégories en BGDC est assez interminable. Et donc, on va jongler, comme je le disais, entre le podium, les différentes catégories et les mises à l'honneur avec Vincent Frantzen sur le podium du circuit de Spa-Francorchamps et les Westfield et SL Cup sont déjà d'ailleurs sur la pitlane, sur la grille de départ pour un tour de chauffe et le dernier round puisque on sera parti pour 25 minutes de cette course sprint du côté les Westfield et de l'autre côté les Mercedes SLK pour les SLK Cup. 25 minutes pour la dernière fois puisqu'elles étaient déjà là ce matin et elles étaient là laissées hier. 5 fois 25 minutes, c'est décidément bien gâté. Les protagonistes de ces deux catégories, souvent des néerlandophones, souvent des néerlandais également, des gentlemen drivers alors qu'on voit qu'il y a déjà des petits soucis sur la grille de départ avec une Mercedes SLK qui est immobilisée ainsi qu'une Westfield. Donc il y a deux voitures immobilisées, voilà, pour la Mercedes c'est reparti, pour la Westfield c'est un peu plus compliqué. Tout à l'heure on sait qu'on avait vécu un début de course un peu agité avec une sortie de route au niveau de Bruxelles, mais ça s'était rapidement arrangé en ce qui concerne cette sortie de route. Par contre on a vécu pas mal de changements de leader, tant du côté de SL Cup que du côté de chez Westfield, et donc ça nous avait valu une course assez mouvementée, comme c'est souvent le cas bien entendu, avec ces voitures assez semblables, avec des motorisations et des mécaniques et des technologies assez semblables, ce qui fait que ces voitures fort proches ne sont différenciées finalement que par le pilotage, le culot et parfois la chance. On le voit donc ces voitures qui sont parties. Je pensais que c'était un tour de chauffe, mais ça va être assez rapide quand même. C'est parti aussi, Vincent, effectivement. Vous parliez de chance, c'est pour vous assurer qu'on en a eu beaucoup sur cette grille de départ, parce qu'on a eu des Westfield qui a calé au moment du départ, et le peloton des Mercedes SLK est arrivé juste derrière à 4 très vite. Et il n'y a fallu qu'un des pilotes de Mercedes SLK monte sur les freins et s'arrête derrière la Westfield pour ne pas la percuter. On est passé à deux doigts du beau carambolage avant au départ de cette épreuve, mais finalement c'est ok pour tout le monde. On va juste dépanner la Westfield qui n'a pas pu partir, mais la course avait bien commencé effectivement. Merci Vincent pour ces précisions en direct du podium. Vous êtes nos yeux effectivement sur la grille de départ où tout s'est finalement bien passé. C'est là le premier tour justement que ce matin on avait eu cet incident qui avait valu la neutralisation de la course sous drapeau jaune pendant quelques minutes, et quand on sait que le sprint ne dure que 25 minutes, ben c'est frustrant pour les protagonistes de la discipline d'avoir déjà cette course courte amputée de 6-7 minutes à cause d'une dépanneuse, mais voilà, ce sont les faits de course et les aléas et tout le monde les connaît. Là visiblement dans ce premier tour pas de soucis, les Westfield en tête, les Mercedes juste derrière. Et c'est Ronald Lenders qui est en tête du côté Westfield avec Sander Dullard juste derrière et William Britt. On sait que tout à l'heure, il y avait eu vraiment pas mal de changements dans les derniers tours. C'est dire si la course risque en gros d'être assez épique, tendue et surtout indécise jusqu'au bout. Du côté du podium, Vincent, bien entendu, dès que vous avez les premières mises à l'honneur par rapport à ces nombreuses catégories du BGDC, vous n'hésitez pas à intervenir. Voilà, et Anthony Coppil qui n'est pas bien loin du podium speaker, du cabin speaker, pardon, voilà, qui va peut-être venir dire un petit mot peut-être aussi sur cette dernière joute en Westfield et Mercedes SLK. Vous avez loupé un départ assez tendu avec une Westfield qui s'est immobilisée et des Mercedes qui sont arrivés derrière à une vitesse assez élevée, autour de 80 km/h, nous disait Vincent Frantzen, qui n'était pas bien loin de là. Mais finalement, plus de peur que de mal, puisque tout s'est bien passé, contrairement à ce matin où on avait une voiture immobilisée dans le premier tour. Là, visiblement, tout est bien dans cette course où on disait encore ce matin, toutes les voitures sont assez semblables. Il n'y a vraiment que le culot et le talent du pilote qui fait la différence. Mais moi, je dois rajouter un petit mot, mais vous avez tout dit, c'est ça le problème. Et non, mais vous avez tellement de choses à nous apporter avec vos yeux éclairés d'experts. Anthony Coppil, je suis certain que vous avez encore des choses à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. Il y a beaucoup de voitures en piste. C'est une réalité, mais encore. Non, mais ce que vous disiez justement il y a quelques instants, c'est sûr que regardez cette image à l'arrivée des combes, on est parfois à 3-4 de front. Il faut quand même un sacré self-control aussi, je pense, pour gérer ce genre de situation. C'est peut-être pas plus mal qu'une course dure 25 minutes. Je Je pense qu'à ce rythme-là, sur une course d'une heure, ça peut vite être mentalement compliqué. Mais non, on voit clairement, côté Mercedes, les écarts sont déjà un peu plus marqués. On a moins cette impression de peloton, par contre, qu'en Westfield, j'ai envie de dire, le 10e aujourd'hui, au moment de la course, après quoi, 2 tours. Dans le deuxième tour, pardon, on va peut-être bien s'imposer, hein, c'est-à-dire. Oui, effectivement, vous avez bien fait de le faire remarquer. C'est visible sur les images de nos écrans de contrôle ici. Effectivement, c'est bien sévère en tête de la course. Westfield et bon, les voir se côtoyer les Westfield et les Mercedes SLK dans cette ce dernier sprint avant de ranger le matériel qui sont déjà là depuis quelques jours maintenant. Et comme je le disais tout à l'heure, l'ambiance bon enfant dans ces catégories des gentleman drivers où pas mal de gens se connaissent. Il faut dire aussi que 95% des gens viennent des Pays-Bas ou dans la partie néerlandophone du pays. Et il n'est pas rare de voir des barbecues et des repas communs entre écuries à l'arrière des paddocks. C'est un moment bien sympathique à voir. Oui, non, c'est clair, on est clairement là pour se faire plaisir aussi, hein, pas vraiment de pression ou quoi que ce soit, c'est la passion à l'état pur, en fait, sans pression, tout simplement venir, s'amuser et repartir, avoir de bons souvenirs, être en mesure de rouler dans un cadre comme celui du circuit de Spa-Francorchamps. C'est clair que ça ne se refuse pas dès l'instant, on a l'occasion de le faire. Et j'ai quand même l'impression que la cohabitation entre les SLK et Westfield n'est pas problématique, dans le sens où il y a quand même des différences qui sont suffisamment marquées au niveau chronométrique et que chacun fait sa course. On a vraiment les moins bons concurrents, les moins rapides côté Westfield, qui sont vraiment parfois au même niveau que les meilleurs Mercedes. Ça, faut gérer ça quand même. Mais à part quelques voitures, au final, globalement, ça se passe assez bien. Aussi en termes de limite de la piste, mais parfois on n'a pas le choix. Là, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà, mais on a une direction de course qui est très vigilante à tout cela, donc on se doute que ça n'a pas échappé aux yeux de Laurent Vogt et de toute son équipe. Quand il y a une voiture qui sort de la trajectoire, on est là vite pour l'analyser et savoir prendre les décisions qui s'imposent, à savoir, ben non, il n'y a rien d'alarmant et surtout pas de choses condamnables, si effectivement faute commise il y a eu. Et comme vous dites, effectivement, on le voit, hein, les meilleurs Westfield sont largement devant, et il faut vraiment qu'il y ait les derniers, les moins performantes voitures de chez Westfield pour côtoyer les meilleurs de chez Mercedes. Mais sinon on a vraiment deux courses bien scindées et il n'y a pas vraiment de cohabitation, du moins au niveau des meilleurs. Et en attendant, Sander Dullard, toujours leader, hein. Il reste leader malgré tout, malgré le fait que ce soit extrêmement serré. Il parvient toujours à trouver le moyen de rester en tête, pour l'instant, pilote de la numéro 12. Mais bon, quand on regarde, les 15 premiers se tiennent en 5-6 secondes. Hein. Oui. Voilà. J'imaginais un écart de trajectoire, une erreur, c'est terminé. Vous passez 20e. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on l'a vu ce matin avec Jan Stackenburg qui a dominé les débats jusqu'à quelques hectomètres de la fin et mené un écart de trajectoire. D'autres en ont profité et finalement, il a terminé sa 4e ou 5e. On a eu le même problème avec Lex Peters qui était sur le podium provisoire pendant toute la course, lui, depuis le début jusqu'à quasi la fin. Et lui aussi, dans ce petit problème d'écart de trajectoire, il a été éjecté du top 3 et on le voit maintenant, il est 5e de cette dernière sprint Westfield et SLK Cup. Ouais, je pense qu'on a un souci avec Westfield là, qui est sorti de la piste à la sortie des combes, justement, qui est assez loin dans le bac. Oui. On n'a pas eu le temps d'identifier le numéro de la voiture. Et sur ce temps-là, on voit une autre Westfield qui rentre au stand. Là-bas, on le voit sur une autre caméra. Elle est Maximum, voilà. Donc, il y a comme des choses à dire hein, dans cette course. Et Anthony, une fois qu'il y a un écart de trajectoire, une légère sortie, c'est terminé. Hein, je pense que... Oui, c'est clair. Surtout sur un sprint de 25 minutes. Surtout sur un sprint de 25 minutes, on est d'accord que là, le moindre petit pain, eh bien c'est terminé. Merci, au revoir. Je pense que c'est Max van der Snel, si j'ai bien entendu, qui serait sorti de la piste avec la numéro 62. Je pense que voilà, il est allé se planter vraiment dans le fond du bac. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de précipitations ou quoi que ce soit. Non, il a l'air bien en trajectoire. Oui, oui, c'est peut-être que s'il explique qu'il n'y a pas de faux conseiller ou de drapeau jaune, il n'y a rien. Oui, c'est juste un drapeau jaune, on se dit qu'il y a un danger, même s'il est très loin de la trajectoire. Mais juste ça. Et je pense que c'est Max van der Snel. Apparemment, il y a également, quand on regarde au niveau des secteurs, il y en a deux qui ne s'affichent pas. Celui de François Claes, c'est également le numéro 14, donc il y aurait même un deuxième problème. Sont-ils liés ou pas à les savoir? En attendant la fin du 3e tour, bah, Sander Dullard reste leader devant William Britt et Jonas Wintermans. Là, ça a changé par contre avec William Britt qui est passé en 2e position. Ça reste extrêmement serré, mais toujours avec le même pilote en pointe. Wintermans qui avait connu des problèmes tout à l'heure et qui visiblement reprend du poids de la bête puisqu'il est sur le podium provisoire de cette dernière course du week-end. Dans cette catégorie Westfield, c'est une voiture dépourvue de toute assistance électronique, il n'y a pas de SP, il n'y a pas d'ABS, ce sont des voitures qui sont toutes identiques avec un moteur qui développe un peu moins de 200 chevaux, une voiture très légère, 650 kg, donc ça nous donne un rapport poids-puissance assez intéressant et assez important par rapport à la SLK qui est beaucoup plus lourde. Et voilà ce qui explique aussi pourquoi les SLK sont largement derrière. Il n'y a pas de comparaison à avoir, il y a juste le fait qu'elles soient communes dans la course, mais pour le reste, il n'y a pas de rapport entre les deux au niveau des mécaniques et des carrosseries, surtout de ces voitures. La Westfield qui ressemble plus à une petite Lotus, une Caterham, une KTM, pour comprendre des voitures qu'on connaît dans les différentes compétitions qu'on a l'occasion de côtoyer tout au long de la saison. Si vous avez vu il y a quelques instants à l'image au cours du début du peloton Westfield, j'espère qu'ils étaient bien au courant qu'il y avait un drapeau jaune un peu plus loin. À l'entrée des comptes, non. À la sortie, oui. Justement, alors qu'on a toujours la Westfield qui est plantée là. Elle ne présente pas de danger, hein, concrètement. C'est pas non plus un endroit où... On ne bougera pas, on la fait d'un coup. Voilà, c'est pas nécessaire. Il faudrait quand même un sacré concours de circonstances et souvent marquer pas de chance pour avoir une voiture qui sorte exactement au même endroit. Mais ouais, ça reste extrêmement serré et à chaque passage au pompe c'est très très chaud, à chaque passage à la source c'est très très chaud, mais pour l'instant ça se déroule de manière assez sportive. Oui, et donc une course ininterrompue, ce qui est toujours plaisant dans un sprint de 25 minutes, de ne pas perdre plusieurs minutes pour des incidents, bon, depuis le début, à part sur la grille de départ où on relatait cette voiture à l'arrêt qui a failli être emboutie par une Mercedes, mais non. Là, la course, elle est limpide depuis le début. Il y a 11 minutes que la course a été lancée. Et Sander Dullard est toujours en tête de cette catégorie Westfield. Et c'est toujours Mike Rogvenz qui domine les Mercedes devant Richard Schouteren et Dirk Van Dijk. On retrouve les trois protagonistes de la dernière course. Donc le mano à mano continue dans la catégorie SLK, comme ça a été le cas ce matin. Et donc, je le disais, du côté des Westfield, et bien donc Sander Dullard précède William Britt, Jonas Wintermans, Jan Stackenburg et Ronald Lenders. Et ça vient de changer à l'instant. Il suffisait d'en parler. Et bien voilà, il suffisait que je donne un classement pour que vous me disiez que ça a changé. C'est pas ma faute, hein, c'est William Britt qu'il faut se plaindre. Mon cher Rick, en fait, il vient de passer. Félicité surtout. Oui, félicité. Ça, je parlais pour vous, hein, par rapport à ça, moi, aucun problème, je vous félicite sans souci. William Britt, effectivement, sur la Westfield numéro 71, à 13 minutes de l'arrivée, qui, à l'issue du quatrième tour, vient de passer en tête avec 72 minutes d'écart par rapport à Sander Dullard au moment du passage sur la ligne. Jonas Wintermans, toujours 3e. Ronald Lenders, 4e. Lex Peters, 5e, ça se tient en 1 seconde 3, hein, ce top 5, de nouveau, ouais, derrière, ça reste un peloton assez impressionnant. Mais donc William Britt qui a pris le meilleur sur Sander Dullard, alors s'il va pouvoir résister maintenant alors qu'on vient de passer le cap de la mi-course. Et pendant ce temps-là, toujours Mike Rogvenz, hein, qui est en tête du côté des Mercedes, là ça semble un petit peu plus marqué au niveau des écarts, parce qu'il y a Mike Rogvenz qui a lui-même, si je suis sur la bonne ligne, 3 secondes d'avance sur Richard Schouteren, 2 secondes sur Dirk Van Dijk, et puis 10 secondes d'avance sur Nick Bowman et Ad Bowman, la famille, donc en 4e et 5e position. Pour l'instant, c'est un jeu de tir groupé. Et là, oui, clairement, en termes de différence, c'est beaucoup plus marqué que du côté des Westfield. Oui, on peut déjà parler d'un podium quasi définitif sur l'incident de course du côté chez Mercedes, c'est beaucoup plus aléatoire. Du côté de Westfield, d'ailleurs, on ne se risque pas un pronostic dans cette catégorie, tant tout peut changer très très rapidement, tant les écarts sont minimes et tant l'historique nous fait de toute façon tendre à dire ne faites pas de pronostic parce que ça change tout le temps. La preuve avec William Britt qui a pris le meilleur, Sander Dullard il y a quelques instants, Jonas Wintermans qui avait perdu beaucoup dans le dernier tour tout à l'heure est désormais 3e, donc il complète le podium. Alors que nous sommes à un petit quart d'heure de l'arrivée, on va dire. Oui, et confirmation, c'était bel et bien Max van der Snel qui a chuté dans le classement, qui était en difficulté du côté du virage des Combes aussi, où eh bien, là c'est tout simplement l'abandon. On va bientôt terminer d'ailleurs ce 5e tour. Vu le moment où les chronos s'affichent au niveau des secteurs ici, je pense qu'il y a encore eu pas mal de changements. Donc un chrono qui ne s'affiche pas depuis un certain temps pour Ronald Lenders. On va voir si on n'a peut-être pas perdu un aussi au passage dans le deuxième secteur. Il n'y a rien qui semble marquant au niveau des caméras de sécurité. On sait que parfois les transpondeurs peuvent être un petit peu capricieux et donner cette fausse impression et ouais, peut-être quelques grains de... Une petite frayeur à l'un ou l'autre au niveau du classement. En attendant, là, la piste sur l'Italie. Oui, ah, on aurait Vincent sur le podium. Oui, effectivement, on va y aller avec cette cérémonie protocolaire parce qu'ils sont à peu près 82 sur le podium. Donc je pense que cette fois-ci, on a plus ou moins le compte. Et on va laisser passer le peloton des Westfield qui font beaucoup de bruit. Voilà, les classement général, beginning over algemeen klassement. Derde plaats voor de BMW M4 234 van Akan en Recep Sari. Akan et Recep Sari, on en a deux sur le podium. Sari une fois, donc troisième place du général. Deuxième place pour la Porsche Cayman 718, numéro 16, très bien pilotée par Fred Bouvy en fin de course. Il y avait également Denis Van Mol et Rainer Weiszold. Fred Bouvy, Van Mol et Weiszold. Bravo messieurs. Et la victoire au classement général, elle s'est dessinée dès hier pour la marque Focus V8, numéro 20 de l'équipe BDS Racing Adventures. Elle était pilotée par Raphaël van der Straten et monsieur José Close. Le classement général, donc, qui est la victoire de cette marque Focus V8 VDS Racing Adventures. Voilà, José Close, bon pied, bon oeil, hein, du haut de ses 18 ans et demi sur le podium ici. Et les trophées présentés par les lauréats du classement général au niveau du scratch, donc, bravo messieurs. Anthony Coppil, merci bien, merci messieurs. On n'aura pas de niveau national, sinon on est toujours là après-demain, donc on va faire au plus vite. Volgende podium zal vont de classe A zijn. Le podium suivant sera pour la classe A. Le temps de mettre les coupes sur ce podium, on peut les mettre et puis on y va. Derde plaats in de classe A vont de 69 de Renault Clio van Rogier Van Cuyck et Thomas Leder. Rogier Van Cuyck et Thomas Leder, une troisième place au niveau de la classe A. Je ne sais pas s'ils sont ici parce que la voiture a abandonné, mais ils sont classés troisième. Ils ne savent peut-être pas d'ailleurs. Deuxième place, le changement a eu lieu à 20 minutes de la fin. C'est cette fameuse Citroën Saxo VTS numéro 67 d'Éric et Renaud Lambert sur le podium. Bravo messieurs. Et c'est la deuxième place en classe A. Et que dire alors de cette Suzuki Baleno numéro 232 qui l'emporte ici. Elle était pilotée par Jassogne, De Vos et Le Koning. Bravo messieurs, fait et bien fait. Voilà la fameuse Suzuki Baleno Young Driver BGDC. Bon, Young Driver, on verra le concept éventuellement, mais en attendant, c'est quand même la Baleno numéro 232. Vous prenez les trophées messieurs et vous présentez tout ça pour les photos officielles et les images officielles sur ce podium. Voilà, victoire de la Suzuki Baleno au niveau de la classe A. Et ça, c'est plutôt sympa. Le podium suivant sera celui de la classe B. Volgende de podium pour la classe B, maître de dernière place, la troisième place pour la Renault Clio numéro 510 de Francken et Fernandez. André Fernandez et Henri Francken sur le podium, bravo messieurs. Second place in this B class, and that's a great result. Endlessly for this Honda Civic car number 99. Ricky Cumberland et Marc Simon sortent de podium. Second place, guys, congrats. Et la victoire, on va le faire en français parce qu'ils sont d'avant nos autres, comme on dit. Ces jeunes loups du sport automobile avec une faible expérience, mais ils vont vite les garçons quand même avec l'Opel Astra Coupé numéro 777. Philippe Ménage et Guy Gatsex. Voilà, il y aura Philippe Ménage tout seul sur le podium, mais c'est fait. Belle victoire pour cette Vauxhall Astra Coupé numéro 777. Philippe, tu peux prendre les trophées pour les présenter. Le caméraman est là, vous regardez tout le monde en souriant. Et c'est parfait. Bravo messieurs, merci bien. Belle victoire, une fois de plus, pour Philippe Ménage et Guy Gatsex. Et je pense que nos amis Ricky Cumberland et Marc Simon sont des gens heureux. On On y va avec le podium suivant, c'est celui de la classe E qui regroupe les voitures de type TCR. Troisième marche du podium, il n'était pas à l'arrivée avec l'Audi RS3 LMS, numéro 102 de Nalé, Greves et frères. Je ne sais pas s'ils sont parmi nous, voilà, on a un représentant, c'est parfait, avec des problèmes techniques, mais une troisième place quand même. La deuxième place, de plaats in de classe F, classe E, sorry, pour de 25 tussen Koepra van Jardi Hoerweg en Steven Terling. Tweede plaats pour Hoerweg en Terling. Provincia, bravo. Et la victoire, on va le faire en français parce qu'ils sont de chez nous également avec la BB Golf GTI numéro 17, bien sûr. Michael, Louis et Camille Mazva sur le podium. Avec cette BB Golf GTI numéro 17, parfait. Excellent résultat. Bravo Camille, bravo Louis et bravo Michael. Pas totalement satisfait de leur prestation, mais premier quand même, et c'est le principal, bien évidemment. Ils jouaient aussi une place au niveau du classement général. Voilà, vous regardez notre caméra, les garçons et demoiselles. Mazouin, Hoerweg, Tailing, Nalé, Greves et Frères sur le podium de cette classe E de la division 1. Merci bien, messieurs, dames. Le podium suivant sera celui de la classe F. Et au niveau de la classe F, la deuxième place pour la BMW Z4 de la famille Patzé. Mais la voiture a abandonné hier. Victoire pour la Seat Leon Super Copa numéro 27 de Debouc et Peigneur. Voilà. C'est la victoire en classe F. Bon, s'il n'en restait qu'une, c'était celle-là, bien évidemment. Eh bien, tant mieux. Pour gagner une course, il faut d'abord la terminer. C'est le principe de base. La Seat Leon Super Copa Mark II de Debouc et de Peigneur. Bravo, messieurs. Vainqueur donc de la classe F. La classe G- maintenant, volgende klasse G. En de overwinning voor de Porsche 996 van Peperzeele, van Peperzeele. Zijn ze hier? Est-ce qu'ils sont ici? Van Peperzeele, van Peperzeele. Non, ils n'ont pas suivi. Eh bien, tant pis. On passe à la suite. Classe S-. Victoire de la Renault Mégane de Trophy numéro 21. C'est celle de Xavier-René Daniels avec Michel Gillot. Bravo, messieurs. Quelques petites pirouettes au niveau de la chicane, mais à part ça, ce fut parfait. Voilà, on va vous amener vos trophées. Je suis un peu rapide par rapport à... Alors c'est S-, voilà. D'ici la fin de la saison, on sera rondé. Ça va aller. Voilà, pour la classe S-, ils étaient à 3 effectivement sur cette Renault Mégane Trophy numéro 21. René Xavier Daniels, qu'on retrouve toujours avec énormément de plaisir, avec Michel Gillot. Merci, messieurs. La classe S+, maintenant, bien sûr, vainqueur du classement général avec la marque Focus V8 numéro 20, Raphaël van der Straten et José Close, vainqueur de cette classe S+. Bravo, messieurs. Belle performance sur l'ensemble des de courses pour Raphaël et José. Et mérité. Le podium suivant sera celui de la classe G+, qui était la plus fournie. Bon, le podium pour de G+, classe. En de derde plaats pour de Porsche Cayman 121 van Philippe Wils en Kurt Hansen. Philippe Wils et Kurt Hansen. Derde place, Provincia, Porsche Cayman Cup. Deuxième place, première apparition en BGDC 100 Series, et j'espère que c'est la première d'une longue série. La numéro 84, la BMW M4 d'Armand Fumal, d'Anthony Rosa et de David Doutrepont, messieurs, sur le podium. Et bravo et merci de nous avoir amené cette auto. Et bravo Anthony Rosa d'avoir tenu l'affaire dans le raidillon à partir du moment où le pneu a quand même accusé une petite faiblesse. Et la victoire dans cette catégorie G+, pour Fred Bouvy, Denis Van Mol et Rainer Weiszold. La victoire avec le jusqu'au boutisme qu'on lui connaît pour Fred Bouvy, bien évidemment, qui est allé chercher cette deuxième place au classement général. Et la victoire dans la classe G+, avec Denis Van Mol et avec Rainer Weiszold, l'une des Porsche Cayman, que l'on retrouve avec plaisir dans cette compétition 100 Series by BGDC. Voilà, ça c'est du podium, bien sûr, une classe G+, particulièrement bien fournie. Bravo à Bouvy, Van Mol, Weiszold, Fumal, Rosa, Doutrepont, Wils et Hansen. Et le dernier podium sera celui de la classe X, où on a deux équipages sur le podium. Dans ce podium, nous avons de classe X sein, de place, deuxième place pour la numéro 255. Il y avait Thirion, Lacoste, Enco sur une BMW M2 CS Racing. Je ne sais pas s'ils sont ici. Eh bien, on passera alors au vainqueur de cette catégorie. J'espère qu'il est resté là à Canet-Recep Sarri sur la BMW M4 numéro 234. Puis on vire en Derte à Canet-Recep Sarri. Winner, on va voir le winner de classe X. Voilà, bravo, merci bien Recep et merci bien à Cannes, les personnes qui doivent rester pour des interviews, vous restez ici. Et mon cher Eric, eh bien, on en a déjà terminé avec ce podium, je prends le micro. Et c'est exceptionnel parce qu'il reste exactement 40 secondes de course, ça veut dire qu'on va pouvoir vivre ce dernier tour dans la catégorie Westfield SL Cup. Merci Vincent Frantzen pour les différents podiums en BGDC, retour en direct ici sur la piste avec Stackenburg qui a pris le meilleur sur Sander Dullard et William Britt. Dans cette fin de course, on est dans le dernier tour en ce qui concerne la catégorie Westfield, et puis ça a bougé également du côté des SLK Cup, pardon, puisque Mike Rogvenz, qui avait déjà alimenté les débats ce matin, a pris le meilleur sur Richard Schouteren. Dirk Van Dijk est troisième. Alors si ça semble figé maintenant du côté des Mercedes, ça l'est beaucoup moins du côté de chez Westfield, puisque là la lutte est encore acharnée avec trois voitures qui sont quasi de front lorsqu'il s'agit de prendre les virages. Là on est au niveau du raccordement. On va bientôt arriver donc dans la dernière portion du circuit avec la probable victoire, mais je dis probable parce qu'il faut jamais avancer avec ces courses de Westfield et de ces voitures complètement en tout cas des voitures similaires, puisque Jan Stackenburg a une légère, mais vraiment légère avance, puisqu'il n'y a que 4 dixièmes d'écart avec Sander Dullard. William Britt est toujours troisième. On attend donc de voir arriver, alors qu'il y a une voiture qui a fait un TTQ là juste avant la dernière ligne droite. Je ne sais pas si c'est un des protagonistes de l'épreuve. Sur le tableau, on voit que Jan Stackenburg est toujours en tête. Sander Dullard et William Britt, et ben non, justement, c'est lui qui a fait l'erreur. C'est Stackenburg qui a fait l'erreur dans le tout dernier virage, quand on vous dit qu'il ne faut jamais faire de pronostic avant la fin, puisque William Britt profite de l'erreur de Jan Stackenburg juste avant d'apporter la dernière ligne droite. Et c'est donc William Britt qui l'emporte devant Sander Dullard et Lex Peters. Lex Peters qui prend la troisième place comme ce matin. Jonas Wintermans est quatrième, lui aussi au pied du podium comme ce matin. Robert Andriensen est quatrième. Yves Dalbrust est cinquième. Et donc, si on redescend un peu, et oui, hein, effectivement, grosse déception donc pour ce pilote qui avait mené les débats depuis le début carrément. Comme quoi, il ne faut jamais aller trop vite avant de rapport d'amis dans ces catégories. Et donc, il est bien loin, hein, effectivement. Stackenburg, il ne termine qu'au-delà de la 10e place. Et puis, en ce qui concerne les Mercedes de la SLK Cup, ben là, on arrive tout doucement également à l'épilogue, où on avait donc Mike Rogvenz en tête, devant Richard Schouteren et Dirk Van Dijk. Alors qu'une voiture est immobilisée à quelques encablures du trapdoir d'Amiens, comme quoi ça peut être cruel parfois le sport automobile. Les exemples sont légion depuis des décennies. Et voilà donc qui en termine effectivement sur la ligne d'arrivée, alors qu'il a juste derrière, on passe de part et d'autre de la voiture immobilisée. Et donc le drapeau à Damiens pour la numéro 555, celle de Mike Rogvenz, qui l'emporte d'un free-fall sur Richard Schouteren. Ah, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, comme souvent, pour cette dernière des 5 joutes de 25 minutes de cette catégorie Westfield et SL Cups. Nous avons vécu un week-end encore bien mouvementé. Voilà maintenant les outsiders et les poursuivants qui sont là, alors que la voiture Westfield est toujours bien immobilisée, et que certains la voient au dernier moment. Il faut bien l'éviter, hein, ne pas terminer ce week-end par un incident majeur, alors qu'il n'y en a pas eu jusque-là, même si on a eu quelques petites frictions un petit peu partout dans la compétition en ce qui concerne les Westfield et les Mercedes. Mais cette bonne guerre avec ces gentlemen drivers venus pour la plupart des Pays-Bas. Et donc on vous rappelle donc la victoire de William Britt dans la catégorie Westfield et la victoire sur le fil de Mike Rogvenz dans la catégorie SL Cup Mercedes. Et là aussi les différentes remises de prix et mise à l'honneur vont s'en suivre. Un petit coup d'œil sur l'horloge, 13h42. Il y aura à partir de 14h la dernière joute Benelux Racing Series, joute de 55 minutes. On sera alors aux alentours de 15h, soit à 1h pardon, du départ des 25h Fun Cup, des Hankook 25 Hours of Fun Cup, sur le coup de 16h. On sera dans le vif du sujet. Et on vous en parlera pendant, eh ben oui, pendant deux tours d'horloge, non-stop ou quasi non-stop, que ce soit en direct, ici depuis le studio, ou encore via la télévision communautaire VDIA, encore via Facebook ou via 3xwwcup.eu. Voilà, c'en est terminé. Tout le monde est rentré là, du côté des Westfield et des Mercedes SLK. Et donc la victoire de Mike Rogvenz devant Richard Schouteren et Dirk Van Dijk. On n'a pas changé grand-chose par rapport à la course de ce matin en ce qui concerne le podium, même si l'ordre n'est pas tout à fait le même. Et en ce qui concerne les Westfield, William Britt a bien profité de l'erreur de Jan Stackenburg dans le tout dernier virage pour s'offrir une nouvelle victoire ici devant Sander Dullard et Lex Peters. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. Hij leven